Le saviez-vous? L'expérience de 2479 sur l'utilisation de ballons en granit n'a rien donné. Les dés de blocage sont parés au lancement. Direction le terrain pour ouvrir les hostilités. Bienvenue sur Cabal Vision HD. L'arbitre demande des autographes à l'équipe qui vient de rentrer sur le terrain. Ça sent de ce point. L'une des deux équipes est plus expérimentée que l'autre. Ça risque d'être un match à sens unique. Les orques, c'est du costaud. Soit vous leur rentrez dans l'art, soit vous faites tourner le ballon. Saviez-vous? Les Skaven jouent entre eux dans de vastes cavernes souterraines. Chaque équipe a l'appui d'un clan majeur. Il y a les équipes du clan Skrir, celles du clan Eshin et ainsi de suite. Rien compris de ce charme, Yakin. Il me parle plus pendant au moins quelques temps. Thank you.
Je me demande souvent à quoi ressemblerait le Blood Bowl si on enlevait le ballon. Mais ce serait la guerre, Bob. Pas besoin d'aller au stade pour voir ça. Ouais, c'est pas fou. Se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Du parfum, Jim ? Non, non, c'est une fragrance. Rien à voir avec du parfum, Bob. Tu aimes ? Ça s'appelle Charogne Immense. Il faut en découdre mano à mano, Bob. Pour ça, il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Par terre est un ballon dangereux. Il a intérêt à ramasser ce ballon tout de suite. Bien vu ça. Tout est dans l'intimidation. C'était une de mes spécialités pour jouer encore. Il faut le récupérer et vite. Ça y est, il a ramassé le ballon. Apparemment, c'est plus difficile qu'il n'y paraît.
équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique. Ce joueur, ça va faire mal. Il fait maintenant pleuvoir les baignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Il s'acharne sur ce pauvre joueur, Van der Half fling autour d'un sandwich. Clairement le corps à corps. C'est le moment de vérité. C'est comme voler un oignon. Faut virer les couches externes pour arriver à ce qu'il veut.
fait la force, comme on dit. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? C'est un rocher, regarde, que dis-je? Une péninsule! Les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. Bon. Ces joueurs préfèrent se battre entourés.
pas nostalgique de la FAE, Bob. Pas des masses, Jim. À l'époque, il y avait beaucoup plus de règles. Pas moyen de se jeter dans la foule pour sommer la zone. Fallait demander la permission d'abord. Ah, ces joueurs savent pas leur chance. Le joueur se rapproche d'un coéquipier. L'union fait la force. Comme disait Jérémy Poul, la victoire revient toujours au plus compétent.
Ce joueur, enfin cet attaquant, il transpire la faiblesse. Je ne se concentrer autant sur le ballon. Elle est où l'ultraviolence? C'est il fait bien fait. Six joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable.
d'action. Si ça continue comme ça, je retourne regarder un épisode de Game of Gnomes. C'est ça. On le force à reculer. Et paf. Va-t-il réussir à étendre un adversaire de moitié sa force? Ça me rappelle la même histoire, Nurgling et Grand Immonde. Mais son miracle, c'est aussi. Ils attaquent le porteur du ballon, Bob. Je sais dire. Je te signale qu'on regarde le même match. Ah, il était temps. Il est pas loin de la zone de but. Du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés.
s'appelle Jim. Il s'attaque au porteur du ballon. Voilà les copains. Il tente de rafler le ballon. Bénéficie de soutien.
cette espèce de... d'assister, va. Corps à corps. Je sens que ça va vous plaire. Vas-y, mon gars! Mords-y l'œil! Celui qui veut pas passer pour un con, il lui faut le ballon. Hé, ça arrive! La défense met le turbo. Ce joueur préfère se battre entouré.
Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Ils ont botté le ballon à l'équipe gagnante. Attention, ils risquent de leur revenir plus vite qu'ils ne croient. Je préfère le jeu de passe au point du cavalier. Eux et moi, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ah, moi, j'aime bien le cavalier. Tu sais où je peux aimer mes valeurs.
Au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais passeur? Ah, je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. Non, mais le mauvais passeur, bon, bah, c'est le gars qui a un ballon, il voit un truc qui bouge, il passe. Et le bon passeur? Le bon passeur? Eh ben, c'est le gars, il a un ballon, il voit un truc qui bouge, il passe, Mais c'est pas la même chose. Il y a le bon passeur et il y a le mauvais passeur. La météo est parfaite, rien à redire là-dessus. Y a plus qu'à se pencher pour ramasser le ballon. Enfin, y a qu'à. Je suis optimiste. Il s'est fait trouver. C'est bien comme ça que disent les jeunes de nos jours. Les gars, tous ensemble. C'est un autre. On peut toujours compter sur les entonnoirs pour assurer le spectacle en question de violence. À lui. Ça sent la bonne grosse empoignade. Suffira-t-il à prendre le dessus ? Thank you.
attention. C'était une de mes spécialités quand je jouais encore. L'attaquant bénéficie de soutien. Tu sais quoi, Jim? Je sais chanter. Oh non, par pitié. Vraiment? Oh! Oh! Pas la peine d'être méprisant. Coach personnel dit que j'ai une belle tessiture de baryton. Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Oh, ça ira comme ça, mon gars, ça ira! Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Se forme un physique d'athlète. Cherche clairement le corps à corps. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Thank you.
Jean bénéficie de soutien. Ce joueur agit comme une fiente de snuffling. Allez les gars, tous ensemble. Des cieux qui roulent dans les orbites, ça ne trompe pas. Il va rester dans les vapes un bout de temps. M'étonnera toujours. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Thank you.
tien suffira-t-il à prendre le dessus? Les orques noirs sont sacrément doués pour enfoncer les lignes abeilles. Mais pourquoi ce J'ai pas la perlue. C'est régénéré, Bob. Continue, le syndicat va les blacklister. Il a le ballon en ligne de mire, mais va-t-il pouvoir le ramasser? Corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Ce joueur à cet attaquant, il transpire la faiblesse. Au moins, ses coéquipiers sont à portée de main. Il tente de rafler le ballon. Tu crois que ce joueur va faire Lui, je sais pas. Moi, oui. Thank you.
joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Bien en main. C'est toujours un peu navrant quand il rate quelque chose d'aussi simple. Les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. Aurait-il encore oublié son cerveau dans le vestiaire ?
fait maintenant pour avoir les veines dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Les autres joueurs sont restés plantés là comme des piquets. Ça sent la bonne grosse empoignade. Ce joueur préfère se battre entouré. Il vaudrait mieux qu'il refile le ballon, maintenant que l'ennemi l'a dans le collimateur. Sans qu'on va se marrer. Surtout si le porteur du ballon se fait plaquer. Si l'autre équipe va arracher le ballon à son âge, elle a une chance d'inverser la vapeur. Faut qu'il l'arrête coûte que coûte. Plus danger. Il n'a pas d'autre choix que de battre entrée. Ah, il a trouvé la seule vraie utilité du ballon. Identifier la prochaine victime. Thank you.
aurais-tu un conseil ? La violence, Jim ! Y'a que ça près ! Retourne les gars, c'est reparti pour le massacre. Ils ont un joueur de moins, rien d'irrattrapable. Les deux équipes sont au coude à coude. Oh, ce coup de pied est crucial. Ça me rappelle la fois où tu as enchaîné tous les techniciens gobelins ensemble pour en faire une masse vivante, juste histoire de tromper l'ennemi. Ouais. Ça, c'était de l'arme de destruction massive. Allez les gars, tous ensemble! Tactique géniale ou désespérée, je ne saurais dire.
jamais, Jim. Si l'une des deux équipes a une boîte secrète, il serait temps qu'elle s'en serve. Le touchdown de la dernière chance. C'était ça ou le coach nous passait au hachoir.